Salut à tous, une minuscule vidéo sur un logiciel qui était fourni avec Win95 et les suivants. C'était le jeu Hover, qui est une espèce de jeu en 2D et demi à la Doom-like. Bref, donc je vais lancer Windows 95 et je vais vous montrer l'Easter Egg, en clair le clin d'œil caché qui se trouvait dans le logiciel. Parce que là, j'ai fait quelques recherches, c'est en relation avec la vidéo sur Clean Sweep que j'ai fait un peu avant, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et je voulais vous montrer quand même comment ils avaient réussi, les développeurs, à intégrer leurs photos dans le jeu. C'était une espèce d'aéroglisseur, il fallait se déplacer dans des labyrinthes, bref. C'était à l'époque, en 95, c'était pour montrer la puissance du nouveau Windows par rapport au vieillissant Windows 3.1. Donc on avance pour se lancer. Voilà. Donc, clac, on passe ici. Donc ça se trouvait sur le CD d'installation de Windows. Donc comme je l'ai encore en stock, enfin une fois que voilà que ça a été, que ça sera lancé, casse bonbon. Donc c'était voilà, donc il fallait avoir le CD d'installation, c'est dans Fun Stuff Hover. Donc il y a plus une petite gueulante par rapport à la présence d'un mode super à 256 couleurs, mais c'est pas bien grave. Donc là, donc on appuie sa touche CTRL, puis on met I B M A B pour Bambi à l'envers, et si on se déplace, voilà. C'est pas évident. Voilà, et on avait l'ensemble des photos des développeurs et testeurs du jeu. Un peu ce qu'avait fait après à l'époque ID Software avec Quake 2. Voilà, je voulais vous montrer cette minuscule vidéo parce que j'ai bien aimé cet easter egg, dont j'ignorais l'existence que jusqu'à ce que je fasse des recherches. Voilà, donc là je vais voir avec un nouveau jeu, alors une nouvelle partie, démarrer au niveau, oui, on prend niveau 2. Ouais, c'était quand même assez intéressant comme jeu. C'était vraiment de la 2D à la Doom-like, hein. Enfin, l'Absinthe 3D. Oh là, pas trop d'habitude. Là, c'est l'adversaire qu'il fallait battre. Ah, je suis battu. Bon, voilà. C'est juste, je voulais montrer ça. Je voulais vous montrer cet easter egg que j'ai bien aimé, je trouvais marrant. Sur ce, je vous dis ciao, je vous dis ciao et à la prochaine.